Reste dans la lumière. Hakon. Allez, ouvre maintenant. Hakon, un hurleur arrive. Des biomarqueurs. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul. Des biomarqueurs. T'es sourd ou quoi derrière nous? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-moi au moins passer la porte. Il faut que je voie son biomarqueur. Et un peu de matos électronique. Fumier! Ouvre! Ah, ah. Espèce. Quelle pute! Ah! Aïe! De quoi? C'était gratuit! Vite! Ils nous ont presque rattrapés! Oh, j'ai envie de me retourner, mais j'ose pas! Et ça, c'est terrible! Nien! Ok. J'arrive, Bubiche! Ils sont de plus en plus nombreux, Aiden! Mais c'est vraiment des salopes, hein! Il est où? Et quoi? Voilà. Ah, bon, heureusement que je me suis pas retourné, ils étaient juste derrière. Vite, 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 ça va aller simple pour l'enfer. Oh non. Frérot. Céliane, c'est moi. Pas d'amis ici, hein. Céliane, occupe-les. Quoi? Céliane. Putain, Céliane, allez. Céliane. J'espère que tu te sers en prenant les pieds dans mon canard. Un connard. Arrêtez! Bon, allez, toi. Ok. Ok. Hors de question que je meure ici, les gars, ok? J'ai toujours pas rejoint mon copain. Hop, on fouille. Hop, on fouille. Ok. Allez, allez, Bibiche! Ok. Oh, pas mal ça! C'était beau, mais j'ai plus d'endu! On a réussi. Ça m'étonnerait qu'on ait fini. Les ennuis viennent jamais seuls. Non, c'est pas vrai, frère. Wouh! Allez, dégage. Hakon, laisse-nous entrer! Ouais, j'essaie! Cilian, je sais que t'es là! Oh, putain de merde! Ok. Hop. Mais c'est pas vrai, ça s'arrêtera jamais. Allez, Bibiche. Hop. C'est bon, il y en a plus. Je pense. Aide-moi. Bon, les gars, j'ai envie de casser des chicots. On va prendre ça. Allez. On est vraiment dans la merde. Bon sang, Cilian. T'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Presque mort. Je voulais pas avoir à nettoyer tes entrailles de bon matin. Ils sont partis, tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard. Regarde ça. Où est-ce que t'as? C'est rare. Tu nous laisses entrer ou ça deviendra encore plus rare. Et c'est qui, ça? Si tu nous laisses entrer, tu le sauras. Oh là là, j'adore faible les énigmes. Respiration, pupille dilatée, grosse sueur. T'es sur le point de te transformer et t'es venu? Pas besoin de vérifier ton biomarqueur. Tu vois tellement de trucs, alors pourquoi ne pas faire quelque chose, hein? En plus, j'ai même pas de biomarqueur. On avait l'habitude d'aider les gens, Cilian.
Je suis un pèlerin. T'es pas là depuis longtemps, hein? Comment t'es arrivé en ville? Je te raconterai tout, promis, laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Non, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, Akon, hein? Je lui ai donné un inhibiteur, il a survécu. Mais t'es dingue! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Tiens, fils de pute. L'hôpital, alors? J'espérais éviter ça. Toujours à la recherche de la facilité, hein, Akon? J'ai juste besoin d'une leur puvée. Je reviendrai te chercher, tiens bon. Akon, pourquoi est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. Crétin. On aidait les gens à l'époque, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Oula, c'était Homer Simpson, le ref. Et ça, on prend, on a rien à péter. Hein. T'as voulu faire ton petit bâtard, là? Oh, c'est un geek. Teresa, tout en... Mais tu pourrais cuisiner. Et ben voilà. Normalement, après cette cinématique, les potes, je ne vous garantis rien, mais ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ok. Bah écoutez, c'est très très bien. Hop, ça, je prends un adhésif, hein, un APT. Hein. Bon, attends, on va lui parler quand même, on n'est pas des sauvages. Mais en plus, il a l'air de faire un truc sympa. Tu voulais autre chose. Des putains de plus grandes causes. Et je suis là, frère. Oh. Tu pourrais juste cuisiner. Les biomarqueurs, pourquoi c'est si difficile d'en trouver? Parce que ce sont des dispositifs complexes. Et les usines qui les fabriquent sont hors service depuis des années. Ceci explique cela. Les biomarqueurs sont liés au sang. Ils ne peuvent pas être réutilisés après que quelqu'un synchronise avec. Sans eux, l'infection se propage sans contrôle. Comme pour toi. Voilà pourquoi ils paient une fortune pour en avoir un nouveau. C'est tout leur fric et leurs cristaux qui y passent. Heureusement, Akon et moi avons trouvé un endroit où ils sont encore fabriqués. C'est quoi le problème si Akon me donne des inhibiteurs? Ça tue les gens en quelques secondes. C'est une drogue puissante. La plupart des gens peuvent pas gérer. Mais j'ai survécu. J'ai dit la plupart. Alors détends-toi, faut juste faire gaffe avec ça. Et ben voilà, où est-ce que je peux me reposer? Donc tu viens d'arriver en ville. Qu'est-ce qui t'amène? C'est pas la terre promise ici. Loin de là. Il faut que j'aille au Fisheye. Et Akon t'aide à y aller, c'est ça? T'as l'air d'un bon gamin, mais... Suis mon conseil. Ne donne pas ta confiance à n'importe qui. Hein? Comment tu sais que tu peux me faire confiance? Ok, assez de blabla. Va dormir. Y a rien à faire jusqu'au matin, de toute façon. Eh ben voilà. Aiden, bébé Aiden, stupido, babido. Trouve-moi. Allô, ici, excusez. Besoin d'un transport à l'hôpital, reçu. Ah, super drôle. T'as réussi? Presque. Les biomarqueurs se trouvent à l'hôpital du GRE. Je serai bientôt prêt, mais pour faire le boulot, j'ai besoin de toi. Où est-ce que je dois aller? Si tu te mets dos à la porte de Cillian, ce sera tout droit. Tiens bon. Allez, on va aller récupérer le biomarqueur. Ça aura fait un très bel épisode 2. Je peux vous le dire. La nuit, la ville est envahie. Pour vous déplacer en toute sécurité, privilégiez les toits. La rue est infestée par les... Évitez les hurleurs à tout prix, pardon. S'ils vous voient, ils alerteront les autres et lanceront une poursuite. Pendant la poursuite, cherchez des cachettes sur les toits ou cachez-vous dans la lumière. Ah ouais, embêtant ça. Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Ok. Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de sitôt.
Oh non, je suis mort. Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. Oh ah, des enfants. On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Oh, je suis mort. Désolé. Je suis déjà mort. Tout va bien. Quelle personne. Je suis déjà mort. Quelle vie. Que ses enfants voient un monde pareil. Oh non. Oh bah non, bah là je suis mort. Non mais les gars, je suis tombé. Bah oui. Je préfère crever. Mais non, mais là, c'est ma faute. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis tombé dans un guet-apens. C'était pas prévu. Ok, réapparaître. C'est pas grave. Ça arrive. Allez. Bon, bah, première mort. Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de sitôt. Putain, pourquoi j'ai pas réussi à passer là? Ah, voilà, c'est mieux. Une beaucoup fois, mieux. J'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi. On l'embrasse. De ma vie. Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. T'as des enfants? Nickel. On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Pas mal, hein, le speedrun, hein. Ça mérite d'être travaillé encore un peu. Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil? Les problèmes! Pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce que c'est? On me dit de sauter, il y a une flèche, frère! Atterrir en toute sécurité grâce à la compétence atterrissage. Bah oui, mais les gars, oh! C'est totalement débile! Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. Ok. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de sitôt. Ok, ok. Bon, bah finalement, il y aura peut-être un épisode supplémentaire. Je vais sûrement couper cet épisode en deux, donc on est déjà à l'épisode 3, à mon avis. Vite de ma vie. Elle a perdu les enfants 3 mois trop tôt. T'as des enfants? Mais putain, c'est pas vrai, ils abusent là, wesh. C'est de ma faute bientôt. Désolé. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces... C'était là le guet-apens, hein. Ses enfants voient un monde pareil. Mes frères, oh là là. Enfin, ouais. Bah ouais, mais moi, quand je vois une flèche, j'y vais, tu vois. Allez, c'est parti. Hôpital. La porte est verrouillée. Nickel. T'inquiète pas, trouve le vieux bus. Un bus? À l'heure H, un bus s'est écrasé dans l'hôpital. Il a traversé le mur. Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans. Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs. Ok, évidemment, c'était de l'autre côté, cette histoire de bus. Vous voyez rien? Moi non plus. Ok. On va prendre ça, c'est de l'infiltration de haute catégorie. Allez! Bonsoir. Oui, biomarqueur. J'ai marqué un itinéraire sécurisé. J'attends dans le hall d'entrée. Ok. Hey, par là. Impressionnant, hein? Le GRE en a réquisitionné pas mal pour ses recherches pharmaceutiques. Quand tout est parti en couille, ils ont chopé des volontaires. Ils les payaient une blinde. Résultat, un gros tas d'emmerdes. Très bien. Encore ça. Un peu. On n'a pas beaucoup de temps, reste à côté de moi. Oh là là, les galères, hein. Les ennuis, toujours les mêmes problèmes. Ok. Bonsoir. Ça enfouille. Rien à péter. Ça enfouille. La porte est verrouillée. T'inquiète, Bibiche, tu vas le faire. Tu sais comment ouvrir une serrure? Avec une clé? Tourne la clé. Ici, j'ai pas de clé. Ah, con. J'ai fait des milliers de kilomètres. Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi? Je vérifie, c'est tout. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce, maestro. J'ai trouvé des pièces. Avec ça, tu peux fabriquer des crochets. Très bien. Tout va très très vite. Eh bien, on va fabriquer un petit crochet. Allez, Captain. Captain Crochet, excellent, ça. Hop, c'est fabriqué, ça, très très vite. On va en refabriquer. Ça, on va refabriquer un APT. Il n'y en a jamais trop. Des petits soins des familles. Allez, go, dégage. Dégage, je peux plus te voir. Bien joué. Alors, utilisez le crochet pour ouvrir les portes, les containers verrouillés. Blablabla. Pour crocher une serrure, vous devez tourner
la bonne position. Déplacer le crochet supérieur et après avec R. Très très bien. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Attendez, quoi ? Ah, d'accord. Ah ! Quoi ? Ok. J'ai compris. C'était pas évident au début. Ah, t'as pas menti ? Tu connais ton truc ? J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de m'adapter. Ok. Ah, la maladie qui revient. C'est quoi ce bordel ? On est toujours infecté, hein, frérot, si t'as suivi le plan, là. Hein. Oh la vache, ça, c'est fort, ça, par contre. Alors ça, putain, dans la vraie vie, je serais déjà mort dans le film, hein, je vous le dis. Hein. Comme, d'ailleurs, 99% du chat. Hein. Frérot, on est dans Ninja Warrior ou quoi ? Ah, quoi ? Putain, j'ai failli mourir, là, le coup d'infection, oh ! Ah, voilà. J'arrive. Un petit coup de main. Bon, allez. Et même voilà. Deux. Ça marchera pas. Chut, c'est parti. Par ici. Zone obscure droit devant nous. Reste calme. Est-ce que tout va bien ? Ouais. T'es sûr ? Merde. Parle-moi. Cet hôpital, j'en ai déjà vu un comme ça. Un site du GRE ? Eh ben, il y en a plusieurs en ville. J'ai ces souvenirs. La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur. Je t'ai déjà parlé de Waltz. T'as dit un truc ? Ouais. Je sais pas, tout se mélange dans ma tête. T'as effacé le souvenir, comme je l'ai fait pour ma troisième femme. Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas. Lâche rien. On va trouver le marqueur et sortir. Allons-y. Ouais, merci. Non, frère. Ok. On est parti. Petite descente au calme. Il y a du monde en bas. En bas, c'est les problèmes. Les belles au bois dormant. Ouais, on doit passer devant eux. Si tu t'accroupis et bouges lentement, ils te remarqueront pas. Approche-toi trop et t'es mort. Mais ça, tu le sais déjà sans doute. Ouais, grave. Mais peut-être pas le joueur derrière toi qui a la manette. Donc je le dis quand même. Oh.
Oh bah dites donc. On a beaucoup. Bonsoir. On va peut-être fouiller ça, non? Ouais, niveau bruit, on dirait des nouvelles. Très bien. Oh, les problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Je peux allumer la lumière ou c'est tendu en vrai? On va peut-être pas prendre le risque. On essaiera ça avec Fufu. Oh là là, les ennuis. Je crois que ce bureau a un angle parfait pour que je puisse m'y insérer. Hop. Je suis très chaud, lui. Voilà, ça risque d'être terrible, hein. Si on doit être Fufu et moi à faire ce genre de truc. J'ai eu tellement chaud. Oh, j'ai eu tellement chaud. Bonsoir. Ouais, s'ils disent de maintenant l'allumer, c'est qu'on a bien fait. Ok. C'est quoi ça? Des produits chimiques, des trucs dégueulasses. Quand il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi, hein. Il y a des trucs à fouiller, ça me plaît, ça. Hop, on fouille. On fouille, on n'a pas le temps pour ces conneries, hein. Oh, regardez-moi cette petite... Voilà, du florin, ça... Un peu de pécule. La vache. Non, c'est pas moi qui avais 12 boucans, là, si? Donc, ce gars dont tu m'as parlé, c'était quoi son nom, Waltz? Ouais. Pourquoi t'as parlé de lui? Parce que je me rappelle qu'il faisait des sortes d'expériences. Ouais, bah figure-toi qu'il était pas le seul. Il y avait d'autres villes comme Vildor, avec des murailles, coupées du reste du monde. Il y a pas mal de monde qui bossait sur un vaccin, Aiden. Mais bon, le monde est rempli de connards. Ok. Y'a quoi là-dedans? Je prends. Y'a quoi là-dedans? Je prends. Oh, une doublette? Oh, une triplette? Parfait, ça. Très bien, ça. D'accord. Sois prudent. C'est pas stable. Allez. Sinon, tu sautes d'un coup, au pire. Mais non, mais oui. T'es en vie? Je crois. Tu peux grimper?
Ouais, laisse-moi une seconde. Vite, on a presque plus de temps. Alors, faut m'expliquer comment grimper là. J'ai trouvé. N'en dites pas plus, heureusement quelqu'un met un petit peu de peinture jaune. Ah, oh les problèmes. Je vais pas y arriver. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles? Ok. Des inhibiteurs. Exactement. T'es tombé au premier étage. Il y a du stockage du GRE là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. Ok, votre clé d'accès est un outil d'encryptage très avancé. La clé du GRE s'active automatiquement. Très bien. Ok, je fais ça en parfait silence et ça c'est beau. Ah, niveau discrétion, je suis plutôt chaud. Oh les pauvres. On est de l'accompagner. Un rapace. Bouge pas. Tu peux pas gérer ça. Je sais. J'ai vu cet enfoiré. Le contourner, on va surtout tout fouiller. Hein. On est des putains de crevards. Ok. Très bien. Oh, il y a une caisse là-haut. Verrouiller de l'intérieur. Ça me paraissait logique. Les problèmes, toujours les problèmes. Oh là là là. Hâte que Fufu me rejoigne à l'épisode 14. Pas censé me voir, monsieur. Petit moment de doute, mais... Oh, les problèmes. On prend ça. Je dis oui, monsieur. Oh, les problèmes. Ok. Aiden, dépêche-toi. Si cet infecté te trouve, t'es mort. Les gars, ça c'est quoi ça? C'est un clébard là de l'autre côté là, je reconnais. Ok. Oh, quelle angoisse! Peur, Mia. Et moi aussi, alors que je suis plus petite. Joue pas les poules mouillées, Heidi. Et si le docteur nous voit? Il nous verra pas. Et puis, faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez, me lâche pas.
me suis senti peut-être un peu trop poussé des ailes. Sois pas une poule mouillée, Aiden. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ok. Je sais pas qui parle, mais c'est beau. Je suppose que ça va me donner des super pouvoirs. Ok. Très bon ça. Ok. Un inhibiteur qu'on va s'injecter. Les inhibiteurs sont le seul moyen d'augmenter votre endurance et votre santé maximale. Il est important d'améliorer ses attributs. Chaque amélioration nécessite 3 inhibiteurs. Lorsque vous les aurez récupérés, ouvrez le menu compétences. Vous trouvez d'ailleurs les inhibiteurs dans les caisses d'Aigreux cachées dans les zones en quarantaine d'Aigreux et les lieux d'anomalie de l'anomalie de Grey. Ok. Très bien. Eh ben écoutez, on va l'appliquer là parce que j'ai pas trop le choix avec celle-ci. L'endurance vous permet de grimper plus haut. Bah voilà, un peu d'endurance s'il vous plaît pour les braves. Très bon ça. Quoi ça ? J'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Je t'attends. Ok. Retournons. Très bien ça. Hello. Akon ? Je me sens plus pisser les ailes ou quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Akon, dépêche-toi, j'ai trouvé les marqueurs. J'arrive, Bibiche. Hé, hey, on se grouille. Allez, let's go. T'es parti un moment. Comment tu te sens? Infecté, mais je suis prêt à y aller. Ah, bon, c'est cool. Désolé pour ça. Hein? À propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de Ville d'Or. Putain, quoi? Tu vas te transformer! Vite, viens dans la lumière! Cours! Quoi? La lumière! Je ne veux pas me transformer! Les problèmes. Immunité critique. Les problèmes, toujours les problèmes. Allez, ce soir c'est chaud. Tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient rapides, ces enfoirés. Entends-moi ta grande gueule, hein! C'était moi une. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, pèlerin, hein? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Et ensuite quoi? Ensuite? Tu feras quoi une fois que t'auras trouvé ta sœur? Installera, voilà, laisse-nous rêver un peu. Je trouverai un endroit pour vivre, un endroit tranquille. Faut que je m'installe quelque part maintenant que je suis infecté. Et où est-ce que tu vas aller? N'importe quel endroit sera mieux que cette ville. Ouais, tu places pas la barre très haut. Je trouverai un endroit où les gens ont pas peur des pèlerins. Ou de moi. Ce serait sympa de plus avoir à courir ou se cacher. J'ai toujours voulu attraper du poisson. Hein, le poisson c'est bon. Eh ben, moi aussi, j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile là-bas. Ah, j'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi? Ah, te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue de l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés, et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins.
On les emmerde. Je m'en occuperai pour... Et tu peux m'aider à survivre sur la route ? Tu connais les routes. Tu sais comment survivre en plein air. Qu'est-ce que t'en penses ? On pourra se couvrir les miches ? Ça marche pour toi ou pas ? Bah ouais, vas-y, t'es mon meilleur pote. Bon, par contre, okay. Je t'ai pas encore parlé d'Arc Funeral, mais il devrait pas tarder à arriver. Génial. Ça marche. Tu le regretteras pas. C'est promis. Alors, pour ton objectif, voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au Fisheye, faut être plus malin qu'eux. Et je sais quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer. Il faut que j'évalue nos chances. En attendant, balade-toi. Viens un peu. Viens. Je vais te montrer un truc. Ok. Bon. Normalement, vous n'avez pas à vous en faire. Là, c'est réellement la dernière cinématique. Il va me passer... Tiens, t'auras besoin de ça. Bah, des jumelles. Voilà, c'est très bien. Le vieux Vildor. Plein d'endroits intéressants à visiter. Et là, tu sais que c'est la fin de tuto. En gros, il dit qu'on est parti en open world. Bon, comment on ouvre ça, là ? Ok. Les jumelles vous permettent de découvrir des endroits importants du monde ouvert. Maintenez, ok, très bien. Ok. Et ben, dans ces cas-là, vaut mieux toujours prendre les hauteurs, alors. Pardon. Ok. Tu vois l'église ? C'est là que les hurleurs nous pourchassaient. C'est le centre du quartier. Ok. Bien. Ok, on sait ce qu'il y a aussi. Très bien. Tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville. Il y en a un près de l'église. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose sur ta sœur. Et s'il n'y a rien, profites-en pour t'amuser. La fin du monde est derrière nous, pas vrai ? Ça peut pas être pire. Je te recontacterai quand j'aurai pris les choses en main. Vous avez débloqué le niveau de zoom monde ouvert. Très bien. Ok. Vous avez débloqué le niveau de zoom. Les jumelles pour explorer. Ok. Donc là, on a l'église, le métro. Zone sécurisée. Ok. Et l'église est là, c'est ça ? Non, la ferme de citrouille. Très bien. On a des ghettos. Très bien. Bienvenue à Vildor. Vous avez débloqué le monde ouvert de Vildor. Votre première mission sera de vous rendre à la base des survivants. Le bazar, vous y trouverez un marchand, une zone de repos et votre planque. Servez-vous de jumelles pour explorer la carte et découvrir de nouveaux lieux, comme les moulins à vent, qui activent de nouvelles zones sécurisées. La ville regorge d'endroits qui n'attendent que vous. Tandis que vous explorez le monde, gardez un œil sur votre boussole à la recherche d'éventuelles rencontres. Ceci peut vous permettre d'aider des citoyens. Très bien. Quête histoire. Ok. On prendra ça de tyrolienne parce qu'elle m'intéresse énormément. Mode multijoueur activé, c'est écrit en bas à droite. Insane. Eh ben les amis, on va s'arrêter là. Et la prochaine vidéo, évidemment, nous serons accompagnés de Monsieur Funeral. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A très bientôt pour l'épisode 4 qui commence enfin la fin de ce prologue. Mais au moins, c'est une bonne mise en situation et on en sait beaucoup plus. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.